Europe 1, 7h25, Thomas Soto. La machine est-elle plus forte que l'homme Eh bien on dirait bien quand on voit AlphaGo, le, le programme informatique conçu par Google, mener trois victoires à une face aux champions du monde du jeu de Go, Lee Cidol. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour La Thomas. machine plus forte que l'homme, hein c'est pas nouveau ça Non c'est pas nouveau, on s'était posé la même question en 97, vous vous souvenez quand l'ordinateur Deep Blue avait battu Kasparov mmh. aux échecs justement. En fait on joue à se faire peur avec cette idée depuis l'histoire du golem, hein, en passant par, par Frankenstein jusqu'au marronnier, Vicenal donc, j'en envoie voler les micros. <laughs> d'un ordinateur qui éclate un champion. Et vous voilà. en parlez comme si c'était euh, c'était pas grave, anecdotique. Non, c'est pas que c'est pas grave, c'est que. Que la machine soit plus forte que l'homme, c'est soit une évidence, soit un non-sens. Alors là, expliquez-moi comment une évidence peut-elle être un non-sens. Si vous me donnez 4 heures, il n'y a pas de problème. Je vous donne 1 minute 30, mon ami. Bon, on va faire avec. Alors évidemment, évidemment donc, la machine est plus forte que l'homme, puisque c'est sa raison d'être. L'homme n'a forgé la machine que pour suppléer sa propre faiblesse. Un marteau est plus solide qu'un crâne. Mmh. Un tracteur est plus fort qu'une charrue. Un ordinateur est plus puissant. En termes de calcul, qu'un cerveau. De sorte qu'en un sens, il n'y a pas de débat. Oui. Bon, vous jouez sur les mots. Dire de la machine qu'elle est plus forte que l'homme, c'est dire que l'intelligence mmh. artificielle met en échec l'intelligence humaine. Et c'est là que ce genre d'évidence devient un non-sens. Si AlphaGo l'emporte sur le champion du monde, c'est que dans la liste des coups dont l'ordinateur dispose et dans la liste des parties qu'il déduit des parties qu'il connaît, mmh. se trouvent tous les coups du champion du monde ou toutes les stratégies qu'il improvise dans l'instant. Du coup, le joueur n'est pas battu par plus fort que lui, il est juste battu par plus nombreux. Mais même s'il gagne la partie, même s'il l'emporte, ce qu'un ordinateur est incapable de concevoir, c'est la liberté qu'il faut pour élire une stratégie dans l'instant aux dépens d'une autre. Dire de l'ordinateur qu'il est plus fort que l'homme, c'est mettre sur le même plan une puissance de calcul qui prévoit indifféremment l'ensemble des possibilités. Et la décision toute simple, qui vaut à un homme d'adopter soudain telle stratégie plutôt que telle autre. Alphago peut l'emporter sur le champion du monde, mais Alphago n'est pas un joueur de Go. Aucun programme n'arrive au talon d'une décision, même quand il en prévoit toutes les conséquences. Une machine, Thomas, peut tout saisir, mais ce qu'elle attrape est déjà mort. Elle peut tout expliquer, mais elle ne comprend rien. Elle peut tout gagner, mais ce sont de fausses victoires. Elle peut tout faire, mais elle n'hésitera jamais. Une machine peut tout prévoir, sinon l'étincelle d'où sont nées toutes les parties de Go qu'elle a ensuite bêtement apprises. lui pense sur le bec la morale de l'info. Ben, la morale de l'info, c'est que l'homme est un casse-tête pour la machine. Et puis elle est pas capable d'émotion la machine. Cette victoire mm -hmm. est inestimable. Inestimable, je ne l'échangerai pour rien au monde, a déclaré euh, l'icidol. Tout sourire à l'issue de la partie qu'il a gagnée enfin contre cette machine, en remerciant ses fans ouais. pour leur soutien. Et nous, on est heureux de vous retrouver tous les matins à 7h25 pour la morale de l'info. Vous revenez demain avec joie. À demain, Raphaël.